Depuis 20 ans, Pierre Longueret y fréquente les ors de la République comme les chapiteaux obscurs de province, avec une seule ambition, diffuser la culture. Culture et ambition qui semblent indissociables de son parcours et qu'il a accepté de dévoiler en images, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie. Bonjour Luc. Pierre Longueret. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. On va la retracer, cette vie, à travers les photos marquantes, justement. Les photos de votre enfance, hein, c'est la première pièce. Et on va en faire deux autres après. On commence par celle-ci, si vous voulez bien. Très bien. Et on va commencer par cette photo. Oui, alors là, franchement, j'ai du mal à discerner. Je crois reconnaître les traits de ma grand-mère maternelle. Exactement. Et c'est elle. Ah, d'accord. C'est une photo que je ne connais pas, mais que je découvre avec beaucoup d'émotion. C'est votre grand-mère maternelle, ouais. Et ça, c'est votre arrière-grand-mère, Andula Maria. Ah oui, d'accord. Nous sommes à Antizante, au début du siècle. Ah oui, ouais, Antizante qui est donc le village natal de mes deux parents, de mon père, de ma mère. Voilà, c'est... Alors j'ai pris ce cliché, mais il y en a d'autres de clichés. On voit avant, après, on voit une espèce de joie de vivre qu'il y avait Antizante. Est-ce qu'on vous expliquait que la vie était belle au village? Quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous vous dites justement? Je vais vous dire, j'ai grandi comme un Corse de la diaspora, c'est-à-dire que le village, la Corse en général et plus particulièrement le village, était vécu comme une terre d'idylle, enfin une terre enviée, puisque mes parents ont quitté la Corse assez vite, quand j'avais 6 mois. Et effectivement, il y avait toujours cette évocation du village comme d'un lieu avec beaucoup d'une très grande vie communautaire, sociale, très très forte, et avec énormément de souvenirs qui émaillaient les discussions familiales. Donc effectivement, et que j'ai pu moi-même aussi quand j'étais enfant constater, parce que j'en ai des souvenirs très très forts. Le prénom de votre grand-mère? Roselyne. Roselyne va partir au Maroc. Oui, au Maroc. Au Maroc, ouais. Avec... Et on a la petite photo là. Oui, avec Xavier. Avec Xavier, chef de gare, oui, à Casablanca. Oui, oui, oui. Hein? Alors j'ai mis volontairement vos grands-parents là, parce, oui, que je crois savoir que vous étiez très attaché à vos, oui, grands-parents. Oui, 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 hein? Oui. Oui, oui, j'étais très proche de mes grands-parents, paternels et maternels, donc qui étaient tous les deux d'Antizante. Et j'ai passé beaucoup de temps avec eux, quand j'étais enfant, cette photo en témoigne. C'est vous, la tout petite. Ouais. Et là, encore vous, justement, à Antizante, sur cette âne. Alors, enfant de la diaspora, ouais, vous veniez quand à Antizante? Pendant les deux mois d'été. Oui. Pendant les deux mois d'été, juillet-août, puisque ma mère était enseignante et elle bénéficiait de congés des enseignants, donc pendant les grandes vacances. Et c'était un moment qu'on attendait, ma sœur et moi, avec beaucoup d'impatience. Et la photo, elle le montre bien, parce que c'était ce rapport à la nature qu'on n'avait pas du tout quand on vivait en région parisienne. Et ça, c'est l'âne de mon grand-père paternel. Et j'ai adoré les ânes quand j'étais gamin. Je le suivais dès qu'il allait avec les ânes. Et voilà, et ça, c'est des souvenirs effectivement très très forts. Donc c'était quand même quelque chose qui allait bien. Ouais. Allez, venez avec votre papa, tiens, justement. Ouais. C'est ici. Oui. Alors quand ça, c'est, je ne sais pas quel âge je dois avoir, 2 ou 3 mois, à Corté, puisque je suis né à Corté. Et donc mes parents ont quitté Corté quand j'avais 6 mois, donc je n'y suis pas resté très longtemps, ils n'y sont pas eux-mêmes restés très longtemps. Et du coup, Corté, là aussi, qui est une ville où je vais encore régulièrement, c'est ma ville natale. Même si je n'y ai pas vraiment séjourné, ça reste symboliquement... Vous êtes né. Un mot sur votre papa. Alors, mon père... Dom Grâce, il a... vécu au village, contrairement à ma mère. Donc lui avait un attachement encore plus fort à Antizante que ma mère. Et tous les deux donc ont quitté, après avoir vécu à Corté, tous les deux ont quitté la Corse, à leur grand regret, je pense. Alors, parce que votre, ouais, papa, en fait, il tombe éperdument amoureux de votre maman. Oui. Hein? Oui, oui. Votre mère, pendant qu'elle est au Maroc, il, oui, lui écrit des lettres. Oui. Il veut même aller la rejoindre au Maroc. Oui. Et puis ça ne se fait pas, finalement. Oui. Et du coup... Elle revient, elle, vous naissez à Corté, et votre maman qui a fait l'école normale, oui, elle est nommée sur le continent. Elle est nommée dans la Somme, je crois, dans un lieu pas assez éloigné de la Corse. Et donc, votre père,
eh bien, décide de la rejoindre. Oui, absolument. Hein, et on va la rejoindre nous aussi, si vous le voulez bien, votre maman. Elle est ici, avec votre sœur. Oui. On est sur le continent, là. Oui. Alors là, on a des looks vraiment très typiques de l'époque, avec les sous-pulls et les pulls, en ce qui me concerne. Donc là, on est en région parisienne, à Garges-lès-Gonesse. Je ne sais pas que ça doit être 73, 74. Donc ma sœur qui a 2 ans de moins que moi, ma mère qui donc est enseignante, et là on a l'impression d'avoir deux enfants modèles, ce qui était, je crois, loin d'être le cas. Ah bon ? Eh bien, on le voit peut-être avec la photo d'à côté, justement. Oui, alors là, c'est l'adolescence. Donc, on est, ma sœur et moi, un peu comme des corbeaux, c'est-à-dire c'est l'époque où on est à peu près lycéen, collégien-lycéen. Et c'est une époque où on est tous les deux plongés dans la musique. On écoute la new wave anglaise. Donc ça se voit, ma coupe de cheveux, la chemise. J'ai même un collier pour imiter le chanteur des Cure. Donc voilà. Ce qui m'a beaucoup frappé pendant mes années collège et lycée, c'était que des personnalités, il fallait se faire remarquer, donc des personnalités très fortes émergeaient. Et ça, c'était très formateur, c'était très stimulant de voir. Alors c'était beaucoup autour de la musique, avec des gens qui étaient des passionnés, soit de Jacques Higelin, soit de la New Wave anglaise, soit des punks. C'était en pleine époque punk. Et c'était des, comment dirais-je, des face-à-face, des discussions. Et puis, il y a aussi des figures de profs et d'enseignants très, très marquants, dès mon collège d'ailleurs, qui m'ont beaucoup aidé à me construire et à m'enrichir. Et vous aimez à tel point à l'école que vous allez faire des études, beaucoup d'études. Dès que vous avez le bac, vous faites combien de... Alors, je m'inscris à la Sorbonne en anglais, en histoire et en lettres modernes, dans une espèce de boulimie désordonnée. Exactement, ouais. Vous avez envie d'apprendre. Si on peut résumer vraiment votre adolescence, c'est ça, c'est l'envie d'apprendre. Et vous n'en êtes peut-être jamais sorti de l'adolescence, parce qu'aujourd'hui encore, vous avez cette boulimie d'apprendre. Oui, toujours. Ouais. Toujours. J'aime beaucoup découvrir, j'aime beaucoup m'enrichir de choses que je ne connais pas. Et voyager. Et on va voir justement. Ah oui, oui, oui. Vous avez la bougeotte, hein, franchement, Pierre. J'aime beaucoup. Ouais. Allez, venez, la bougeotte, on va commencer par aller dans la pièce à côté. Allez, Pierre, prenez place. Et donc vous allez bouger beaucoup, mais le premier grand voyage, on peut le dire. C'est quand même Paris. C'est Paris, oui. Pour faire des études à la Sorbonne. Oui, absolument. Beaucoup, beaucoup d'études. Mais en dehors des études, Paris, ça provoque quoi chez vous ? C'est la... Une très, très grande excitation et stimulation. Ouais. Parce que c'est une ville où il se passe beaucoup de choses. En plus, on est dans les années 80, donc il y a une espèce d'effervescence, encore post-68, avec beaucoup de choses qui émergent, sur le plan artistique et culturel. Donc, c'est pour moi des très, très, très important de pouvoir découvrir ce monde-là à cet âge-là. Et puis, vous vous mettez à travailler quand même un petit peu, oui. Hein, en 1993. Oui. Et c'est celui-ci, votre premier job, on peut le dire. Oui. Alors, mon premier job chez une éditrice indépendante qui s'appelle D'Ivoire, qui existe toujours. Et là, on a sur la photo la fondatrice des éditions d'Ivoire, Danielle Rivière, qui m'a, avec beaucoup de générosité et beaucoup de sens de la transmission, accueilli au sein des éditions d'Ivoire, une petite structure qui travaille toujours autour de la création contemporaine. Et là, sur cette photo, on est avec Peter Greenaway, le grand maître du cinéma anglais, avec son univers baroque. Alors, vous ne prenez pas le premier job qui passe. Vous avez vraiment choisi d'aller à D'Ivoire. On n'est pas n'importe où, là, parce que vous avez l'air super fier, là, d'ailleurs. Un petit sourire un peu, j'ai l'impression, un peu carnassier, même, on peut dire. Hein. Paris nous voilà. Oui, c'est vraiment un choix, ça. Hein. C'est pas un choix par défaut. Hein. Dès le début, vous voulez aller dans l'édition. Oui, oui, oui. Hein? Mais vous n'allez pas y rester longtemps dans l'édition. J'y reste 2 ans. Et au bout de 2 ans, il se passe quelque chose à Ajaccio en 1995. Oui. Il y a des élections municipales. Oui. Il y a une nouvelle équipe municipale qui cherche un directeur de la culture. Oui. Et là, vous postulez. Oui. Oui, oui, et ça se passe pas trop mal. Oui. Ce qui fait que quelques temps plus tard, on vous retrouve. Ben, on vous retrouve là, regardez. Vous allez donc avoir droit à la question assassine. Est-ce que vous répondez à la demande massive du public insulaire ou vous vous faites plaisir ? Non, je crois que le débat se situe sur un autre plan. Je pense que il est très difficile de répondre à une demande. Je crois que je pense qu'il faut plutôt former le public, former la demande.
C'est la première fois que je revois ces images, je ne savais plus qu'elles existaient. C'est assez marrant. Oui, ouais, c'est marrant. C'est marrant. Alors, vous arrivez avec plein d'ambition à Ajaccio, former le public ajaccien. On vous recrute pour ça ? Oui, enfin, je pense que dans l'esprit de l'équipe municipale de l'époque, de Marc Marcangeli et de son équipe, et de Nicolas Coivive qu'on voit sur cette photo, qui était adjointe à la culture, il y avait la volonté d'avoir un nouveau projet culturel et de travailler effectivement plus sur une notion de service public de la culture où on élargit les horizons culturels du territoire, où on créer des ateliers dans les quartiers où on initie, on transmet beaucoup. Et c'était effectivement l'orientation qui était donnée. Et c'est ce qu'on s'est employé à faire, je dis « on », parce qu'on était vraiment une équipe. Et je dis souvent que c'est une de mes plus belles expériences, sinon la plus intéressante expérience professionnelle, parce que il y avait vraiment… – Tout à fait. Et vous avez fait beaucoup de choses. Et notamment, vous avez mis en valeur ce lieu mythique. C'est le théâtre de Callisté. Vous en faites un lieu incontournable de la culture en Corse. Vraiment, ça va durer 7 ans. Oui, de 96 à 2003. Et puis justement, en 2002 arrive une nouvelle équipe municipale. Et là, c'est pas trop bien finalement, Pierre. Qu'est-ce qui se passe avec le nouveau maire qui est Renucci, Simon Renucci du coup. Je pense qu'il n'y a pas franchement la confiance. Qu'il n'y a pas franchement la confiance. Et du coup, voilà, le projet que j'ai porté ne semble pas susciter une adhésion totale du maire. Je dis le maire parce qu'avec Anne-Marie Lucian, ça s'est toujours très, très bien passé. Et on a vraiment très, très bien travaillé. Mais voilà, bon, c'est la vie. C'est la vie. Et votre vie, justement, vous en avez profité pendant que vous étiez à Ajaccio pour passer le concours d'administrateur territorial. Oui. Vous allez donc à Strasbourg, vous déménagez. Et puis de Strasbourg, vous vous retrouvez ici. Oui, à Rennes. Alors, vous n'êtes pas dans un concert à Rennes. Vous n'allez pas dans un concert à Rennes. Qu'est-ce que vous faites à Rennes? Alors, à Rennes, je suis directeur général de la culture et des sports. Je m'occupe de la mise en œuvre de la politique culturelle de la ville de Rennes. Et la ville de Rennes, c'est vraiment un grand pôle culturel en France puisqu'il y a les transmusicales de Rennes. Et là, on est au transmusical de Rennes. Donc, ce grand festival de musique pop, rock, qui a vraiment une dimension européenne et internationale. Je mets en place aussi ce qui m'a toujours tenu à cœur et ce qui me tient toujours à cœur et ce que j'avais eu l'occasion de mettre en œuvre à Ajaccio, c'est-à-dire un travail de transmission, de démocratisation, de développement, d'ateliers vers les quartiers les moins ouverts. Et on met aussi en place un pass culture pour les populations les plus éloignées de la culture. Donc c'est une expérience extrêmement intéressante. Et puis là, il se passe quelque chose, alors que tout va bien, comme d'habitude. Alors, je ne sais pas si vous avez un coup de fil ou il y a quelque chose, mais on vous retrouve très, très rapidement, presque du jour au lendemain, là, ici. Oui, alors, c'est… Alors là, vous êtes fier, vous êtes fier avec Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture. Oui. Comment vous vous retrouvez, là? Le travail que j'avais conduit à la fois à Ajaccio et à Rennes… m'avait permis de me faire connaître et de me faire reconnaître vis-à-vis d'un certain nombre de cercles nationaux. Et quand Frédéric Mitterrand est nommé, c'est en juin 2009, si je me souviens bien, j'ai un coup de fil de son entourage qui me demande de si ça m'intéresse de rejoindre son cabinet. Évidemment, je mets très peu de temps à me décider, je dis oui assez rapidement et je rejoins son cabinet très très vite, c'est-à-dire en juillet, 15 jours après sa nomination. Donc c'est un changement total d'univers où on se retrouve avec des responsabilités nationales sur la mise en œuvre d'une politique culturelle nationale dans un ministère qui a cette histoire glorieuse depuis que André Malraux et le général de Gaulle ont décidé de l'installer. Donc c'est… Un moment d'euphorie. Justement, là vous êtes très content quand vous arrivez, mais vite, le terrain va vous rappeler, il y a cette photo, un homme de dossier derrière le ministre, 24 heures sur 24, on travaille énormément quand on est dans un ministère, Pierre, on l'oublie peut-être. Oui, tout le temps. C'est tout le temps. On travaille tout le temps, on travaille tout le temps. Parce que dans un cabinet, on travaille sur des dossiers de fond, sur la préparation des décisions que prend le ministre. Et puis, on fait beaucoup de représentations. Vous allez quand même finir directeur de cabinet, quand même. Oui, alors là, vous ne souriez plus, là.
directeur de cabinet du ministre de la Culture. À la fin du mandat de Frédéric Mitterrand. C'est très émouvant parce que c'est le bureau d'André Malraux. Parce que Frédéric Mitterrand avait choisi de s'installer dans le bureau d'à côté, qui était le bureau du directeur de cabinet. Et Frédéric Mitterrand avait préféré l'autre bureau. Et là, le directeur de cabinet avait le bureau d'André Malraux. Donc c'est chargé d'histoire, chargé de symboles. Donc, c'est un bon souvenir ou un mauvais souvenir? Alors là, maintenant que. Parce qu'on va passer à la diapositive suivante. Mais C'est un extraordinaire souvenir. Ah. C'est un extraordinaire souvenir avec un souvenir de beaucoup de pression. Quand on est dans un ministère et de toute façon, quand on fait le choix de l'action publique, on est là pour régler des problèmes. On a beaucoup de problèmes à régler, donc il faut assumer un certain nombre de dossiers et un certain nombre de positions, mais on s'enrichit considérablement. Puis un jour, tout s'arrête du jour au lendemain, parce qu'il y a un nouveau ministre de la Culture qui arrive, et là, avec le nouveau ministre de la Culture, on ne veut plus de vous. Oui. Et on vous retrouve, là. Oui, en Albanie. Oui. Për kulturën do të flasim sot me një shefin e kabinetit të ministrit të kulturës së presidentit Sarkozy. Ai është parizieni Pierre Lungheretti. Parisiani Pierre Lungheretti. On est à Tirana là. Oui. Qu'est-ce que vous faites là, Pierre? Alors à Tirana, c'est une expérience absolument formidable puisque je suis conseiller de la ministre de la Culture de la République d'Albanie, Mirella Kumbaro, qui est une femme extraordinaire, qui est toujours ministre actuellement. Et elle souhaitait avoir un conseiller français parce que la France est un modèle culturel qui a un grand rayonnement, qui attire beaucoup, qui crée beaucoup d'envie. Et j'ai travaillé avec Mirella Kumbaro pendant un an et demi, de 2013 à 2015. Et c'est une expérience formidable parce que c'est là aussi, un peu comme la Corse, la construction d'une nouvelle politique culturelle avec une ministre extrêmement dynamique, extrêmement volontaire, parfaitement francophone et qui connaît très très bien la France. Donc on échange beaucoup, on réfléchit beaucoup avec ses équipes aussi. Et c'est vraiment un magnifique souvenir, cette expérience en Albanie. Et puis c'est pas banal d'aller travailler en Albanie. Non, pour le coup, puis sur les plateaux de télévision, la belle émission en plus, pour le coup. Ouais. Vraiment, vraiment engagé. Et puis là, coup de téléphone un jour, on vous dit, Pierre, on cherche un DRAC, directeur régional des affaires culturelles du côté de Poitiers. Et vous dites, tiens, allez, vous allez à Poitiers. Et vous allez à Poitiers. Et puis l'aventure va encore continuer jusqu'à un nouveau poste. Mais le nouveau poste, on ne va pas en parler ici. On va parler dans une pièce à côté, si vous le voulez bien. D'accord. Faut une petite pause. Très bien. Allez, allez, Pierre. Dernière pièce de notre voyage, et votre dernier voyage d'ailleurs, il est là votre dernier voyage. Donc la cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Alors dis-moi si je me trompe, il y a tout à faire en fait. Il y a déjà tout fait, mais il y a encore tout à faire avec la BD. C'est peut-être pour ça que vous avez accepté ce poste. Dites-moi, Pierre, le directeur de la cité de la BD à Angoulême. Je pense que la bande dessinée est dans un moment d'effervescence créative absolument incroyable, notamment en France. Et effectivement, en voyant cet établissement, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on avait un établissement unique en Europe, peut-être même au monde, parce qu'il y a assez peu d'équivalents au monde. Il y en a un en Corée qui ressemble, qui a d'ailleurs été construit sur le modèle de la cité d'Angoulême. Mais j'ai toujours considéré qu'il y avait une potentialité de développement considérable à un moment où la bande dessinée se développe, elle aussi, de manière extrêmement frappante, avec une diversification esthétique, avec plein de nouvelles formes, que ce soit le roman graphique, la bande dessinée de reportage ou la bande dessinée autobiographique. Et que c'était vraiment extrêmement intéressant, au moment où nous sommes, d'être à la direction de cet établissement, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire, il y a des auteurs passionnants, et il y a un intérêt de plus en plus fort pour la bande dessinée dans la société contemporaine. Mais moi, ma question, c'est que, parce qu'on a la photo suivante, la ministre est venue de la Culture, extrêmement satisfaite. On vous a pris, pourquoi, Pierre? Parce que vous êtes un excellent gestionnaire,
ou parce que vous avez une connaissance de la BD, pourquoi on vous a choisi? Parce que ça se développe, hein, ça marche, elle est très contente parce qu'il y a de plus en plus de visiteurs, vous avez enclenché un truc, hein. Dites-moi. Je me revendique pas comme un expert de la bande dessinée. Ouais. C'est un domaine qui me passionne, mais je suis pas un expert. J'ai pas écrit de livre sur la bande dessinée. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de me mettre au service de ce qui est en train de se passer dans la bande dessinée, c'est-à-dire ce développement créatif absolument extraordinaire, et puis de faire partager ce développement créatif et de faire partager aussi le patrimoine, parce que la bande dessinée a une histoire, et notre mission à la Cité de la bande dessinée avec le musée et avec la bibliothèque, c'est de faire partager le plus largement possible cette histoire qui est parfois à des aspects méconnus et dont il faut valoriser certaines périodes, certains auteurs. Donc c'est ça qui, je pense, a peut-être été déterminant. Vous y consacrez, j'allais dire, tout votre temps, beaucoup de votre temps. Oui. Parce que je suis allé sur les réseaux sociaux, et notamment je suis allé sur votre site Instagram. Oui. On voit les photos, et alors ça c'est tout ce que vous publiez, hein. Oui. Hein, c'est bien vous, hein, oui, Pierre Lou Guéretti. Oui, 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 oui. La BD n'occupe finalement qu'une petite place sur votre photo d'Instagram, mais je ne suis pas là pour relever ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on… Parce qu'il y a 339 photos, oui. C'est la culture au sens large, oui. Pierre. Oui, 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 oui. Et c'est ça qui est intéressant quand on va sur votre profil. Oui. La culture, ça embrasse tout. La culture… Pourquoi c'est important, la culture, Pierre? Parce que c'est fondateur dans une civilisation, c'est une façon de représenter le monde, c'est une façon d'avoir un regard sur la complexité du monde, sur les différents aspects de cette complexité, et que ça domine tout. La culture domine tout. La culture, c'est la couleur d'une civilisation, et que c'est une expérience extrêmement forte, je pense, dans la vie humaine, et que la vision des artistes est irremplaçable. Mais on a l'impression que vous n'avez pas d'un goût particulier, justement, quand on voit ça. On a l'impression que vous aimez absolument tout. C'est pour faire style ou il y a quand même… Alors, ça reflète quand même une certaine actualité. Là, vous avez Barbara Carlotti, notre compatriote, chanteuse absolument remarquable, qui vient de sortir son disque. Donc, on était ensemble il y a très peu de temps. Là, c'est l'exposition Delacroix au Louvre que j'ai trouvé absolument extraordinaire. Là, c'est une photo d'un auteur français remarquable qui s'appelle Patrice Kilofer, à l'occasion du salon du dessin contemporain qui s'appelle Drawing Now, dont la Cité était partenaire. Si, je vois bien, mais vous, qu'est-ce que vous préférez? Rien, en fait. Vous aimez tout? Ah non, j'aime pas tout. Non, ah. non, j'aime pas tout. J'ai des goûts. Alors, c'est quoi? J'ai des goûts en bande dessinée, par exemple. Non, en tout. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ce que vous aimez, oui. Parce que je fais, oui. C'est la photo d'après. Est-ce que ça ne serait pas… Alors, comment dire? Alors, je ne vais pas dire le pouvoir, pas ça, Pierre. Mais de continuer à progresser, parce que là, il y a le selfie avec Macron. Est-ce que vous en avez profité pour dire… C'est pas un selfie. Oui, en fait, c'est un peu raté. Mais vous n'allez pas vous arrêter, là, en fait, à la Cité d'Angoulême. C'est une étape ou pas? Ah non, enfin, en tout cas, je suis, comment dirais-je, totalement concentré sur ma mission, ouais. À la Cité, que je trouve extrêmement riche. Et je pense que je n'ai pas fini d'accomplir le travail qu'on m'a confié à la Cité de la bande dessinée. Donc là, à l'heure où on se parle, vous ne connaissez pas votre prochaine étape, votre prochain lieu encore? Non, enfin, en tout cas, là, je suis très, très bien à la Cité. J'ai envie de continuer à la Cité, ouais. Vraiment. Vraiment, parce que je trouve que l'avenir de la bande dessinée est très, comment dirais-je, très, très florissant, très enthousiasmant, très exaltant. Donc, j'ai envie de continuer à la Cité. Et dernière photo, venez là, Pierre. C'est celle-ci. Ah oui, oui. Calisté, qui a été une époque vraiment, on le disait tout à l'heure, qui a été une époque vraiment très importante. Mais là, justement, je n'ai pas envie de parler de l'époque très importante. Ouais. Je vais te parler du théâtre Calisté aujourd'hui. Ouais. Il est abandonné, ce théâtre Calisté. Ça ne marche plus. Quand vous voyez ce théâtre aujourd'hui qui ne sert à plus rien, quel est votre sentiment? On est à Ajaccio. Je pense qu'il faudrait faire revivre ce théâtre parce qu'en plus, il a une situation géographique intéressante. Il est entre différents quartiers de la ville, que c'est une jauge intéressante puisque c'est une salle de 400 places. Ça permet de faire beaucoup de choses. Ni trop grand, ni trop petit, et que je pense qu'une ville comme Ajaccio doit avoir un théâtre avec une programmation permanente, avec une diversité de propositions. Donc ça vous fait un peu mal au cœur, là. Ça me fait un peu mal au cœur, je dois dire. Et vous intervenez un petit peu de temps en temps encore sur vos passes des coups de fil, un petit peu pour dire, Pierre, qu'est-ce que tu penses de ça ou pas? On fait appel à vos conseils. Oui, et puis je m'exprime. Vous avez déjà publié. J'ai publié une tribune. Donc la Corse, ce que je veux dire, c'est que la Corse n'est pas loin. Ah ben, je viens tout le temps en Corse.
Je viens tout le temps. Là, je vais aller au festival BD à Bastia. Je viens tout le temps. Donc, je suis totalement attaché à la Corse. D'accord. Alors, vous savez comment on finit l'émission, toujours, c'est sur un selfie. Alors, on va essayer de le faire un petit peu mieux que celui-ci, même si c'est pas... Vous vous laissez guider. Vous souriez. Et voilà. Pierre, ça a été un véritable plaisir. Ben, moi aussi. De vous découvrir. À bientôt. Encore. À très bientôt. Ouais. Au revoir, merci, Luc. Merci. À bientôt. Au revoir, Pierre. Au revoir. Thank you.